Bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur The Devil and Me partie 3. Alors les petits refs, c'est parti mon kiki, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, écrivez un petit commentaire si vous avez envie de voir une vidéo en particulier. Allez, c'est parti! Ça ne bouge pas. Et maintenant, on est foutus. Il doit y avoir un autre passage. Ouais, des couloirs de maintenance, des conduites, c'est obligé. Ok, on y va. Tu te fous de moi? C'est quoi ce cirque? Dumet, d'où il sort ce type? Il était nerveux sur la route. J'ai pensé qu'il était juste un peu excentrique. Entre un excentrique et un meurtrier, il y a un sacré fossé. Il faut réfléchir. Tu as vu Dumet quitter l'île? Il aurait découvert qu'il y avait un tueur ici et aurait décampé? Possible. Ou peut-être que l'homme qu'on a rencontré n'était pas Dumet. Et le type avec le masque? Ce mécanisme, ça demande une sacrée mise en place. C'était planifié depuis le début. C'était conçu pour qu'on tombe dessus. Ce qui renforce l'idée que le type du ferry n'était pas vraiment Dumet. Quoi? Mur de briques. Continue. Exactement comme Holmes. Non, je veux pas penser à ça. J'essaie de faire un plan dans ma tête. Mais je crois que la chambre d'Erin a été totalement isolée. Putain, Charlie! Pourquoi s'attaquer à elle? Parce que c'est pas difficile de lui faire peur. C'est la plus vulnérable. Tu débarques ou quoi? C'est comme ça que font les sociopathes. Ok, y a rien en fait. C'est une gamine. Oh, ouf! T'entends une voix de gamine aussi? J'ai bien cru que j'avais pété un plomb. D'où est-ce que ça vient? Je déteste ça. Cherchez les hauts dessus la voix de l'enfant.
pièce. Nice. Charlie, par ici. Essayons d'ouvrir. Moi qui ai déjà trouvé une zone bouchée, ça ressemble vachement à ça. On est dans des matrioshkas. Quoi ? Collection des personnages ? À éviter. Bizarre. Ça, j'ai aucune idée. C'est des poupées russes. Ces poupées. Ils s'emboîtent, là, les unes dans les autres. Tu dérailles, là ? J'ai pas besoin de ça. On est dans une cuisine, piégé dans un hôtel, coupé du monde sur une île. Même si on arrive à sortir de cette pièce... Comment on va sortir de l'hôtel ? Je te le fais pas dire. Et comment on quitte l'île ? On doit se concentrer sur une chose à la fois. Cette pièce, d'abord. T'as raison, d'accord. Nathalie Morello. Oh, est-ce que tu... Merde! Putain de chiotte! Oh, oh putain, c'est un cadavre! Tu crois? Elle était du dernier groupe à avoir visité l'hôtel. N'en sais rien. Peut-être que... Merde! T'as sûrement raison. Charlie, j'ai peut-être trouvé une issue. Regarde, elle s'ouvre sur l'extérieur. Elle sera sûrement moins difficile à forcer. Recule! C'est pas vraiment ce que j'espérais. Wesh! Merde, le briquet. Charlie? Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait bien quelqu'un d'autre. Yo. Faut qu'ils entendent ça. Oh fuck, la poussière. Ton asthme. Ça va, ça va. Arrête de faire ta mauviette. Je
à se faire. Quel genre de traitement? Pas vrai. Oh, c'est quoi cette horreur? C'est pas vrai. Qu'est-ce que... C'est Charlie qu'on a entendu crier? Eh ben, lâche-moi, Jimmy. T'as pas envie de péter la vitre et prendre le putain de téléphone et appeler la police? Ouais, mais... Montage. Vous allez pas me croire, vous allez pas me créer. Vous pensez que vous, ça va faire juste, je sais pas, 2 minutes, 5 minutes, je sais pas quoi, que je joue, je sais pas, on peut plus, là. Mais techniquement, les amis, ça va faire, si je regarde bien... Ça va faire 3 heures que je ne joue plus. Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'ai, bon, en fait, je me suis endormi. Je me suis allongé sur mon canapé, et bam. Mais bon, je suis prêt, je suis d'attaque. Erin, t'es là? Jimmy? Erin, c'est toi? Oui. Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? T'es en danger, Erin. Comment tu... Écoute-moi bien et fais tout ce que je te dis. Mais...
Jamie, c'est quoi? Oh, les messages étaient contre elle. Non, 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 il fait que c'est prêt. Je sais pas, je sais pas quoi. Écoute-moi. Écoute, cache-toi à l'intérieur du placard qui est là. Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? Vite, cache-toi, Erin. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Erin, vite, fais-moi confiance. Bah oui, 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 je te fais confiance, ouais. Après, c'est pas normal, mais fais pas. Charlie? Jamie? Mais où est-ce qu'ils sont? En lieu sûr, j'espère. En train de se demander où on est. Kate, regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? On est coincé? J'en ai bien l'impression. Attends. Chut. Quoi? Chut. Tu entends? Tu crois que c'est eux? D'où est-ce que ça vient? Il y a quelqu'un dans le restaurant. C'est quoi ce bordel? Marc, qu'est-ce que tu fais? T'approches pas de ce truc. C'est complètement dément. Je sais pas dans quel merdier nous a mis Charlie, mais si je vois du maître, je le défonce direct. Je risque pareil. Ok, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas croyable ce qui lui ressemble. C'est pas possible que quelqu'un ait fait cette mise en scène en quelques heures. C'est vrai, ça? Je regarderai un complice. Tu entends? T'es pas.
Et il se rapproche. Watch out. Ok. Fuck, je sais pas. Ok. Le soir tout à l'heure. On l'a pas attaqué, techniquement il nous a montré aucun geste de violence. Ok, il nous a peut-être pris le bras tantôt. La dernière fois. Mais il nous a montré aucun geste de violence. Peut-être parce que... Oh, je sais pas. C'est vrai qu'il nous dit qu'il a coupé l'intérieur du nez de Charlie. Mais il joue avec nous. Je sais pas, non. Jimmy! Putain! Fuck yeah! Je suis drôlement contente de vous voir. Faut se tirer d'ici, en vitesse. Après le coup du mur, qu'est-ce qui s'est passé? Dumet a tué le gardien. Quoi? Sous nos yeux. Dumet? C'est un traquenard! Il portait un masque et je sais que ça a l'air dingue, mais c'est pas une blague et maintenant il en a après Erin. On doit partir! Hé, hey, minute. Il est où, Charlie? J'en sais rien. On a été séparés. Non, mais c'est pas possible! Vous savez, comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, dites-moi que je rêve. Et les accusations. Quand. Tchè! Putain, fais le taire! Tchè! 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 C'était quoi? C'est un vrai. C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non. Oh, c'est un vrai. Putain, je vous l'ai dit que c'était du délire. Foutons le camp d'ici. J'aurais aimé prendre une photo de l'œil. Oh, c'est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette porte aussi est fermée. Dumet, t'as envie de jouer? Allez, voilà. Ouais. On va s'amuser. Affirme-toi, mon gars. Et lui, mon gars, il veut se battre. Hein. Vraiment, il va se battre contre lui. Mais je pense pas que c'est Monsieur Dumet. Faut que je me tire d'ici. Quittez le sous-sol. On est dans le sous-sol. Vous savez que c'est basé sur des faits réels, hein, non? Alors, vous savez que toutes les meurtres, techniquement, étaient dans le sous-sol. C'était là où on trouvait un peu la grande partie de les cadavres dans le temps, parce que c'est le premier tueur américain. Et, Ah bah, je suis mort, en fait, hein, je vous le confirme. Bon. On y va. Attends, vérifie. Jimmy! Ouais! Jimmy! Je vais bien!
hein? Aïe, merde! Pourquoi il y a du feu? Oh, c'est un piège! Ah, un vrai bâtard, ce gars. Quelle cellule? Tu veux vraiment jouer avec nous, hein? T'es vraiment un... Monsieur H. Monsieur Owens. Owens. Ça, j'ai encore la clé. Ok, c'est pas du tout pareil là. On va passer par là. Oh, une belle pièce. Combien vous nous rapportez? 2. Ok. Quand un levier? Oh! 3 flammes et une flamme. On va toujours passer pour pas beaucoup de flammes, hein, les gars. Hein. Et hop! C'est un putain de gars, c'est un putain de gars. Oh putain, je fais quoi? C'est une portail de merde. J'ai vraiment pas confiance. Regarde-moi cette putain de porte. Une figurine brûlée. Et pourquoi il n'y a que du feu? On arrive pour prendre le truc de Killy. Bon, on s'est brûlé. On n'a pas notre truc, notre lighter. On désactive un truc de feu. La poupée est brûlée. C'est quoi, on va brûler? J'aime pas cette pièce. C'est quand même une pièce à brûler. Oh merde. Referme-toi pas, s'il te plaît. Merde. On va tomber sur une cinématique. Est-ce qu'on a tout? Ouais, on a tout. C'est parti. Oh, oh salut, mes belles. Putain, ouais. Alléluia. C'est des vrais. Oh. Oh, merde, c'est pas vrai. Wesh. Quand du bar est plus là. Oh, je connais. Oh non, ils sont avec nous. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'il fait?
Non, faut pas qu'il creve. Les gars du bar! Pitié! Stop! Pitié! Merde! Ok, ok, on devra réagir vite. Derrière la porte, c'est le gars! Il a condamné en fermant la. On peut pas ouvrir, c'est super! Forcez la porte, levez la grille! On lève la grille! Je peux t'aider si tu veux. T'as juste à me le demander, je t'aide. Ok, non, t'es assez fort. Vas-y, Charlie. C'est pas le temps de prendre une pause, Charlie. Fonce la porte. Non! Est-ce qu'on a fait le bon choix? Oui. Ok. Referme-moi ça. Alors, protège tes yeux et touche pas à la grille. Conservateur. Chauffer pour nos amis. C'est peut-être déjà cuit pour Charlie. Non, mon gars, non, Kate et Charlie Mark est fort. Veulent se montrer honnêtes l'un envers l'autre. Mais il semblerait que Kate ait caché quelque chose à Mark. Et peut-être aussi à elle-même. Que pensez-vous des superbes animatroniques alors, de Monsieur Dumet? Je les trouve ingénieuses. Certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent les pièces. Ouais, je pense que c'est des vrais cadavres. Il serait équitable, à ce stade, de vous offrir un petit indice pour équilibrer la donne. Vas-y, mon gars. Regarde-moi. Cherchons l'inspiration dans les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Il semble que notre ami Herman Mudgett vouait une telle admiration à Sherlock Holmes qu'il lui a emprunté son nom. Voyons. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile comme l'araignée au centre de sa toile. Mais cette toile a 1000 ramifications. Cela vous aidera, j'espère. Ça m'aide en fucking oui. Alors le gars, ben le méchant, serait l'araignée. Et les fils, ça serait ben toutes les pièces de la maison. C'est comme si... C'est ça. Alors lui, faudrait trouver son où qu'il se planque pour trouver comment ouvrir la grille. On ouvrait la grille et on pourrait se casser. On doit éviter tous les pièges.
Et jusque là, son but, c'est évidemment de nous emmener dans des pièges de mort. C'est-à-dire que si des fois il ouvre une porte, faut pas y aller. À part si on aurait les compétences pour probablement survivre à une mort certaine qu'on ne sait pas l'existence. Non, ça m'a aidé, ouais, ça m'a aidé. La bougie est pas éteinte. La bougie est pas éteinte. Ça veut dire qu'il est pas mort. Il est pas mort. Vous devriez y retourner. Bonne chance. Merci mon gars, je t'aime bien. Je t'aimerai toujours. Lui, c'est un bon, lui. C'est vraiment un bon, ce gars. C'est mon préféré, lui. J'aurais pu le sauver. J'aurais pu le sauver, c'est-à-dire qu'il pense qu'il aurait l'étoffe et les caractéristiques physiques pour démolir le tueur. Ça, j'aime bien, ça. Oui, on part dans un autre délire là, c'est pas du tout pareil. C'est quoi délire? Hey, tu entends? Ouais. Ça vient d'en bas. Si ça se trouve, c'est Erin. Impossible. C'est encore un piège. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Alors, on va bien voir. Let's go. Vous êtes sûr de vous? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres options. On est où là? Quoi? On dirait qu'on est dans un vestiaire de gymnase. Pas Columbus. Je suis Laura de la réception. C'est quoi ça? Les portes du spa Columbus sont ouvertes. Nous traitons chacun de nos visiteurs comme de véritables œuvres d'art. Cet enfoiré. Il nous observe. On n'a pas le choix de passer par là. C'était une piscine ici. Hein. C'est un mec. Oh, c'est un robot. Oh. Jess Claire, chef de chantier. Peut-être qu'on peut garder ça. Nice. Keep looking around. Tu t'es accroupi pour regarder quoi, toi, cochon? Tellement les pas de géant qu'elle fait, mon gars. Qu'on aurait pu passer par là comme ça. God damn, Carolina! Bon, alors.
il se faisait avant un screamer, j'ai rien vu. Ah, merci mon gars. Oh non, mais attends, là, je sais pas si t'as remarqué, mais là tu peux carrément passer en fait. Tu te fous de moi? There must be something useful around here. Soins de couple. On y va ensemble? Qu'est-ce qu'il veut dire pour des soins de couple? Regardez. Le panneau du hall. Où ça mène, d'après toi? Lobby. Alors, ça va sûrement le mener au lobby. Worth a try. Je vais voir si j'arrive à l'ouvrir. De votre côté, cherchez une autre. Il est là. Il est là. C'est là qu'on va le castagner. On va le défoncer, les gars, je vous le dis. Marc, va falloir que tu m'aides. Je crois qu'on peut défoncer cette porte. Trois, deux, un, go! Wesh, la tête qu'il avait! Oh non! Non! Kate? Qu'est-ce qui s'est passé? On te rejoint, reste ici! Dépêchez-vous! Oh, t'es vraiment un bâtard! Quoi? C'était. C'est vraiment ce que je déteste. Électricienne en chef. Laura Murphy. Murphy, pardon. Jess, je démissionne sans préavis. Quand tu liras cette lettre, j'aurai déjà quitté l'île. Pas la peine de me chercher, je pars, j'en ai mort, Monica. Est-ce que vraiment cette lettre va nous servir à trouver ce mystère? C'était qui? Oh, hey, salut. Ah, si, je veux que ça finisse. Ok. C'est le câble, non. Oh.
Frank Haldeman. Haldeman. Frank Haldeman. Ingénieur de des travaux. Cette pièce. Qui va nous rapporter combien? Il y a un corbeau dessus, ça va nous rapporter. Conservateur. Oh, sale. Pas tort. On doit la sauver. Sur moi. J'avais pas vu qu'elle avait un tournevis. Ça sentir comme ça, ça me pensait à Joe Talo. Je sais pas pourquoi. Oh! C'était quoi ce truc? Plus jamais je cours. C'est ça. Tous les constructeurs sont fait tuer. C'est quoi ça? Descendre mon cul. Toute la lumière rouge, mon gars. Waouh, elle marche. Looking around. C'est que je fais, mec. Y'a pas le choix. Il doit y avoir un moyen de sortir. Encore une pièce, mais bordel. On peut faire quoi avec ces pièces? On dirait un furet. Ou un chien. Je suppose elle est où? No point just standing around. Кавлона. There must be something useful around here.
Marc, aide-moi à bouger ce truc. Ryan Haar, expert en démolition. Oh, toi, on doit t'appeler Reinhardt, hein. Spa. Passe du spa. Ça le passe. Et là-bas, et là-bas. Marc, ici. Virons ce bureau. Fichons le camp d'ici. Nice. Oh, le beau petit couple. Hear that? Par là. Ouais, 1880.